La tour Shinra. Oui. C'est là où nous en sommes. Plus spécifiquement dans l'arène virtuelle incroyable, là. Où on avait perdu avec Barrett la dernière fois. Je sais plus si j'étais censé faire encore des changements sur le build de Barrett. Je sais que j'avais déjà enlevé les matérias qui étaient en rapport avec... avec le fait que ce soit un tank, vu qu'il a personne à protéger. Ça va être un petit peu rude de commencer par ça, mais j'y crois. Allez, je peux pas regarder les sorts et tout ça. Ok, il a pas au moins une barre d'ATB. Qu'à cela ne tienne. Alors, il a quoi? Choc combustible, tir à bout portant. Ok. Dissipe barrière, foudre, feu. Ah, il me fallait du soin. Je crois que c'est à cause de ça que j'ai perdu la dernière fois. Ça va faire mal. Ouais, parce que lui il a 1 million de PV en face. J'avais utilisé beaucoup de. Beaucoup de PM pour lui faire du feu. Et là, on va éviter. On va prendre notre temps, même si ça prend un peu longtemps. Juste éviter ça. C'est loupé. J'ai pris cher pour rien là. Bon, moi j'ai pas pris de. J'ai pas utilisé de PM pour ça. Aïe. Ok, il est désormais fragile. Pour le choquer. Par contre, merci les dégâts quoi. C'est pas vrai. Nice. Ça va pas. J'espère que ça te plaît. On va faire un petit soin. Et en fait, il a deux phases. Une où il attaque à distance et. Une où il vient nous faire du pic-pic. Pour faire venir le gros chocobo. Je vais baisser un peu mon son parce que. Je deviens à moitié. Moitié sourd. Même si la musique est très bonne. Pipoué. Oh, le gros chocobo qui fait plus rien du tout. S'en bat les steaks. Il y a des plombs qui volent. Pour rien ce qui se passe. Ok. Maintenant il est en mode. Distance. Pas du tout. Ah. Voilà. Ah, cette fois je l'ai gardé. J'ai pris cher. Mais je le vis bien. Je crois que je lui ai fait choc. Pour le gros largage, ça va être magnifique du coup. Allez mon Barrett, tu peux y arriver. Peut-être mettre 10 ans, mais on va le battre. Oh, 10 000. Ok, il y a une limite dans les dégâts, maintenant on sait. Il
Voilà, un maximum de dégâts. Un petit soin. Ça touche. Nice. Ouais, victoire. Ok. Bon, le premier combat est long. Celui-là aussi est assez embêtant. Hein. Il nous a battu la dernière fois. Le problème étant Vengeance, hein, qui fait beaucoup de dégâts. Voilà, c'est aussi un combat long. Les deux suivants, c'est un peu plus dans mes cordes. Et le dernier, c'est long, mais ça se fait. J'espère que ça te plaît. Aïe. Ok. Tire bout portant qui passe pas. Est-ce qu'un feu passe? Oui. Il peut encaisser beaucoup. Miroir. Vampirisme. Ça, c'est sa compétence de mort. Barrière magique ici. Faut tenir bon. Tire à bout portant. Très bon pour nous. Encore pas mal de PM aussi. Je pourrais lui faire disciple barrière, hein, qui ferait que augmenter également sa barre de jauge, je crois. Ça ferait utiliser beaucoup de PM. Nice. Vraiment avoir le timing. Voilà. J'en veux encore. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Une barrière magique. Si je prends trop cher. Extra soin. Maintenant c'est du sérieux. Voilà. Toi, tu vas pas t'en tirer. Fait tir bout pourtant. Derrière la transcendance. Nice. Ok, c'est là qu'on avait perdu avec Barrett, donc on va pouvoir continuer. Normalement les deux combats d'après, je devrais être un peu plus serein. Lui il est assez lent. Ah mais avec Barrett c'est vrai que je suis un peu moins serein tout court dans les combats. Bon, faut que je fasse en sorte qu'il me lance en attaque. Ça va être long, mais ça va aller.
Ok, vas-y. Et après le boss à la fin, je sais pas trop. On va voir. Parce que je crois pas avoir foudre. Ah, je sais plus si j'ai mis foudre, j'ai peut-être mis foudre. Ouais, j'ai mis foudre pour le robot à la toute fin. Il me faut des PM hein, pour ça. Ok, cool. Après, j'ai les compétences hein, pour hein, conserver un maximum de... Un maximum de PM. Ok. Continue avec le tir bout portant ici. Vas-y, on bat. Ça prend du temps, hein, mais bon. On y croit. Puis après, avec Tifa, ça va être compliqué aussi. Hein. On a bien droit qu'à une seule invocation, j'ai l'impression. Hein. Parce que j'ai plus la barre d'invoque hein, qui arrive. Alors que je mets bien du choc sur les ennemis. Ok, il est colère. Ces petits moulinets là à chaque fois. Toujours aussi impressionnant. Oh oh! Il fait manger le canon directement là. Allez, on va faire la moitié de la barre là. Boitille un peu. Mais à bout portant. Ok, on est pas mal sur les dégâts. Ah, le suivant, par contre, il sera plus rapide. Hein. Je sais pas trop ce que ça va donner. Au moins, là, on fait le plein de. 2 PM. On va se concentrer, pas sous-estimer l'adversaire. Éviter de grid. Bon dégâts là. Après il valait sans doute mieux que je prenne une arme physique aussi. Donc une arme magique. Nice. Allez, le bonus de maîtrise au passage.
Ah, il prend beaucoup plus cher que l'autre par contre, hein. Il a beaucoup moins de poise aussi. Ça va faire mal. Ah, j'ai pas gardé assez vite. Hein. Bah, je pensais l'avoir hein. Gardé, mais peut-être que ça passe à travers la gare, leur cyclone tranchant. Là. Bon, j'ai pris cher au niveau des PV, mais on va avoir un petit soin là. Maintenant, on est parti pour le tronçonneur. Silence en réponse. Quel silence qui part. Pour le moment, on réussit à bien. Bien esquivé. Enfin esquivé non mais bien gardé. Excellent. La barre de choc hein, qui s'en va tellement vite. Le silence hein, n'a pas proc cette fois. Là non plus. Ce que j'en garde quand même pour le soin. Je pense. Hein. C'est quand même tentant. Ça va te faire vibrer. Dans ta face. Regarde-toi là. Je crois que tu vas pas t'en tirer. Tiens-vous pourtant. Ça va faire mal. Je ne rentrerai pas. Ah, ça explose trop tard. C'est quand même bien mal. Qu'on le refaire. Je pense qu'on est bon là. Nice! Et on a appris la compétence. Super. Ça a pris 20 minutes quand même. Hein. Vache. Mais on a eu le bracelet suprême. Bravo, vive nous. Faut que je refasse du coup ces matérias. Tifa, je sais pas à quel point il faut que je refasse ces matérias. On va voir ce qu'elle a. Normalement, elle devrait déjà avoir foudre hein, pour le dernier combat. Alors. Elle a feu, glace, foudre et soin. Sachant que ça, c'est en air d'effet, on va enlever l'air d'effet. C'est pas ça.
Dites-moi ça. Ça va te réchauffer. Oh, ça fait mal ça. J'ai du mal. Ok. Je dois faire attention. L'avantage, c'est qu'un soin simple, ça lui refile toute sa vie. J'utilise beaucoup de PM déjà, j'ai un peu peur contre le spectre ensuite. Hein. Le dauphin! Le dauphin! Il y a vraiment un dauphin! Allez, allez, allez! Nice! Bon, on a réussi à le battre, mais je suis moyennement convaincu pour la suite. En fait, elle augmente vite la barre de choc, mais c'est un peu le seul avantage que j'ai. Et elle est rapide aussi. Rapide, mais elle a pas beaucoup de... résistance, on sent. Presque un premier choc. Il est où ? Presque. Ok. Ok, ça, ça l'interrompt, c'est cool. Donne-moi ça.
Ah, il aime pas être en feu. J'arrive. C'est pas fini. Prends ça. J'arrive. Retour sur ce qu'on avait avant. J'espère qu'il fasse pas vampirisme alors qu'il a miroir. Yes. C'est pas fini. Ah merde, c'est magique. L'illuminité. Ça dégoûte. Ok. Allez Tifa, on y croit. Écoute-moi ça, j'arrive. Prends ça. Mmh. Il est passé où? Il a quitté l'arène. Il s'est dit j'en ai marre. Ok. Nouveau choc. Pour les dégâts qu'on a mis. Excellent. Faut continuer comme ça. Ok. Allez, on y croit. Bon, lui, il va pas disparaître. C'est pas fini. Attention à pas se faire choper, par contre. Son combo est bien. Qu'est-ce qu'il est long. Éviter de se faire choper bêtement. Ok. On frappe avec nos petits poings. C'est pas fini. Coupe-moi ça. Chance. J'arrive.
Oh, ça touche de derrière aussi. Oh, je me suis trop mis sur le côté, je sais pas. Mais bien. Et cool cool. Peu juste. Bon dégât. Cool. Allez, la suite. Rapide. Ah, ça je peux pas le... Le garder. Zéro poise, hein. Nice. Ah, dès que j'ai vu les dégâts du premier piqué du talon, je me suis dit, faut le terminer maintenant. Ok, allez, le boss. Sur la magie. Aïe. Agilité. Silence. Très peu appréciable. Très peu appréciable. Enfin, peu appréciable. Tant qu'il y a le silence, je peux pas me soigner. On va attendre. Ok. Plus qu'un quart de temps. Allez, ok, cool. Pas besoin de l'AOE. Ok, ça va mieux. Et on peut repartir. Électrifié.
Oh non, je pensais pas qu'il y avait un coup derrière. On a réussi à le garder. Ah non, il me refait silence. Mais bon, pour attendre à nouveau. Oh la combo qui fait mal. Ok, moitié du temps pour le silence. Un tiers de temps pour le silence. Il fait peur, hein. Un quart de temps. Ok. Ce coup-là, ça va, il touche jamais. Ça va toucher. Il est bientôt choqué. Qu'on n'a pas pris le deuxième coup et qu'on n'a pas pris le silence derrière. Hop. Allez. Yes. Rester sur du extra pour que ça sorte vite quand même. Nice. Il y a eu. Un petit peu de sueur froide quand même. On a réussi. Belle victoire. Ok, j'aimerais voir la liste des programmes. Duo et trio. Duo et trio, donc il n'y a plus de barret tout seul, on peut lui remettre un build de tank. Et on peut également... Alors attendez, qu'est-ce que je lui avais rajouté ? C'est des choses du type... Provocation... Garde renforcée, c'est de la garder. Expertise technique, je ne crois pas. Parade. Et il avait soin en plus, mais ça c'était... Parce qu'au niveau de son arme, il avait une matériel en plus. Là, son arme, c'est le gros canon. C'est avant tout physique. Ok, et au niveau de nos autres personnages, je crois pas qu'on ait changé des trucs ici. Hein. Non. Ok, cool. Ensuite, on a gagné des bracelets. Un bracelet Machina qu'on avait déjà, mais on a aussi gagné... Donc bracelet bouclier, c'est avant tout de la défense physique. On va le remplacer par le bracelet suprême. Et bracelet de sorcier, on peut le remplacer par le bracelet runique. Nice. Et c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Ça me fait une petite augmentation de statistiques. Cool. Alors. Maintenant que ça, c'est fait. Toujours particulier hein, d'avoir un nombre de personnages restreint. Surtout quand c'est un seul perso, sinon rien. Ici, on a le duo contre le cirque volant. Dans ce programme de combat, deux combattants se retrouvent... dans une situation d'entraînement destinée aux aérocombattants et aux grenadiers. Aérocombattants et grenadiers, qui est-ce que je vais avoir envie de prendre ? On va essayer avec Cloud et Barrett. Rapide contre plein d'ennemis, c'est quand même bien sympa. Adieu. Fini pour toi. Voilà, annihilation qui évolue, qui permet de faire les disciples barrières et désormais peut-être autre chose. On ne sait pas. Hmm.
1000 de dégâts. Ça gueule zéro. Plus que les drones. Nice. Non sans sueur, cette petite phase, mais on y croit. Qu'est-ce que c'est que ça là? Allez, c'est des machins qui volent là. Vu qu'ils volent super vite là. Oh là. Passe juste à côté, go. Derrière moi. Dissipe barrière, dissipation, dissipe les effets bénéfiques. Nice, il a interrompu. Bien joué, Barrette. Tiens, bro, mon bro. On fait plutôt une bonne équipe. Tiens, grand malade. Ok. Les aéros combattants. Genre, je l'ai loupé. C'est trop triste. Ok, apparemment, Cloud est triste. Place ou pas? Non, ok. Go profiter quand il attaque. Là, au moins, il bouge pas. Voilà. Allez! En saleté, il fait des esquives. Je le déteste. Ok, en moins. Petit soin. Je suis au petit soin. On va attendre qu'il attaque pour lui faire le sort devant. S'il bouge en même temps, c'est ouf. Et soup. Barrette peut enchaîner avec la colère maximale. Voilà. Au niveau 35. Cloud. Oula, j'en frappe mon micro là, je suis à fond. C'est ça le boss? Viverne tigré. Je sais plus ce qu'il faisait lui. Je sais plus ce qu'il faisait, mais il me fait peur. Ah oui, il avait un truc en rapport avec son. Il fait gravité de mort là. Et je crois qu'il absorbe les sorts tant qu'il a ça. Je sais plus trop comment ça marche. La musique. Ouh,
Méga gravité, oui, ça c'est un truc de mort là. Passer sur Cloud pour pouvoir. C'était un soin rapidement. Voilà. On va passer sur Barrett maintenant. Ok, son sort de mort est finalement parti. Aïe. Trou de verre, c'est ça son sort de mort. Alors Cloud va pouvoir se soigner et derrière il pourra également faire son invocation. Je compte sur toi. Je m'en charge. Allez 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 allez. Yes. Choc qui passe. Nice. Je me suis dit fin infini, je suis pas sûr que ça passe. Je préfère faire ça en deux fois. Trop bien. Gain de Gilles. The Gills. Trio contre un cas d'urgence dans ce programme de combat. Trois combattants doivent faire face à une situation d'invasion de Midgar par l'armée de Wutai, mise au point par la Shinra. Allons-y. Oh, c'est un petit rejeton. Ah, ça fait du bien d'avoir de nouveau une équipe complète là. Ça fait 45 minutes, 50 minutes qu'on joue. On avait encore pas eu d'équipe complète une seule fois. Donc pour la Shinra, les agents du Wutai, c'est des rejetons d'Absou. Hein. Moi, c'est ce que j'ai compris. Pas le mec qui danse là, il faut le subdiviser pendant qu'il est en train de danser. Je sais plus exactement, mais il me semble que c'est ça. On va utiliser l'invocation pour le moment, on va la garder pour plus tard au cas où. Au cas où. Méga vent, j'aimerais autant éviter. Aïe, je n'ai pas évité. Ça fait mal. Petit soin ici. Tifa qui peut lui faire. Qui peut déjà s'améliorer. Danse.
frappe déstabilisante. On va battre le proto maintenant. Ah, ça, il suffisait de garde contre son truc. Genre, j'oublie. Ok. On va viser de la combo, mais... Dans le principe, hein. Je peux peut-être interrompre, voilà. Barrette qui monte de niveau. Sacré baron. Oh la vache. Ah oui, c'est faut lui faire glace et je sais plus quoi. Ensemble par les chiens du démon là. Ah, il glace et les soins. Et c'est plus facile de faire d'abord le soin. En moins. Oh là, il joue à Sonic. Ok. On va se concentrer sur le... Le petit gars... Papa. Regarde-la.
finir. J'arrive. C'est fini. Par la suite. Zoup. Zoup. C'est pas fini. On va le faire se soigner quand même, histoire d'éviter de prendre des risques. Presque. Nice. J'ai roulé des bonnes douches. Ok. C'est foudre sur le robot et des manches-tout, je sais pas. Aussi. Ok. Tu peux compter sur moi. Ça, ça fait du bien. À moi. Cloud peut s'occuper de se soigner. Coupe-moi ça. C'est pas fini. Je vais t'avoir. Je bouge pas mon Garrett. Mon Garrett. Mon Barrett. Ok, là je crois que c'est le dernier, si c'est sur 5. Petit changement de musique. Oh vache. Aïe. Pa-la-pa-pa-pa-la-pa-pa. Oh oui, les cœurs. Tous en cœur. Ok, je le lis bien. Ba-ba-ba. Oh.
Focus. Allez. Ok, plus qu'un. Choc transperçant. C'était pas ouf. Ça touche pas, t'es moins déçu. Moment de déception. Pour la peine. Vas-y. Oh bah, j'ai relâché la garde. J'ai relâché la garde, non. Pa-da-pa. Ah oui, très bien. Et B. Allez, hop, ça, c'est réglé. On en fait une heure d'arène quand même. Allez, petit plaisir de la vie. Et on a fait ce qu'on pouvait pour le moment. Bravo l'équipe. Du coup, c'est quoi? C'est des matériaux, le gain de, d'XP, le gain de guild là? Quoi? Gain de guild. Augmente les guilds obtenus en combat de 100%. Augmente les points d'expérience obtenus en combat de 100%. C'est très sympa. Est-ce que j'enlève la résurrection pour mettre du gain d'XP à la place? Parce que j'ai vraiment besoin de gagner plus XP. Vite. Si je faisais des gros contenus à côté, souvent il y a des contenus plus difficiles que le jeu de base. Il vaut mieux avoir des gros niveaux pour pouvoir les faire. Donc dans ces cas-là, oui. Sinon, non. Et d'un autre côté, résurrection, bon, ce que j'utilise souvent. Est-ce que c'est pas une matéria un peu morte? Déjà remède, j'utilise quasiment jamais. alors, résurrection. Techniquement, j'utilisais plus souvent résurrection que remède, hein, vous me direz, mais bon. Allez, on va mettre le gain d'expérience. Remède, c'est rassurant de l'avoir quand même. Hein. Donc, chronomancie, c'est rigolo. Mais bon. Non, on va garder remède. Parce que pour avoir résistance. À nous les gains d'expérience supplémentaire. Bon, on va sauvegarder. On va continuer dans le prochain épisode. Et on a quand même fait une heure plus d'arène. Pour l'épisode suivant, il faut qu'on se remette un petit peu dans l'histoire, quoi, hein, qu'on se remette un peu dans le bain.